petite cible conductrice. Et ici, j'ai bien fait de creuser parce que c'est un petit bouton, mais qui a rouillé. Donc voilà pourquoi l'indice. Et sur le multidimensionnel, il me disait qu'il y avait une bonne, bonne indice, mais qu'il y avait du ferreux dedans. Et là, en faisant la vidéo, je me rends compte qu'il y a un tout petit morceau de pipe en terre cuite. Donc voilà, j'adore, j'en fais un pot, je les reprends à chaque fois. Et je vais te le voir en filmant. Donc voilà, petite trouvaille en direct à vue et un petit bouton, c'est cool. On continue. Bon, meilleur son de la journée pour le moment, 68 fixes, et peu importe, quand je tournais, c'était vraiment 68 fixes. Je m'attendais même à une petite monnaie ou quoi, mais non, j'ai vu la forme, donc je vais vous montrer ça en direct à une vingtaine de centimètres. C'est une clé de montre à gousset. Oh, il y a un bateau dessus. Oh, il y a un bateau dessus. Oh, j'avais vu qu'elle était décorée, mais j'avais pas vu quoi. Je voulais faire ça avec vous. Et derrière, il y a une phrase purée. Elle est magnifique. J'ai déjà fait une clé de montre à gousset en argent, mais celle-ci est magnifique. Elle est en cuivre ou je vais pas trop frotter, par contre, parce que sinon la patine va partir. Il y a un bateau dessus. Je ne l'avais pas vu. Quand j'ai fait mon son, quand j'ai vu qu'il y avait une clé de montre à gousset, je voulais faire ça en direct. Et en la voyant en direct maintenant, je vois qu'il y a un bateau dessus. Donc c'est génial, très très belle trouvaille, c'est ma plus belle trouvaille pour le moment. Et derrière, il est écrit quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Tiens, nir, je ne sais pas, je la nettoierai et on regardera ça ensemble, c'est génial. Alors ici, je suis à bord de route. Nous avons accès à une prairie juste à côté, bien rasée. C'est un champ qui a été rasé, en fait, pour l'engrais vert. Ici, j'ai un son à 83 et ça varie un peu. C'était vraiment bizarre. Ici, une dizaine de centimètres. C'est encore dans la motte. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est de monnaie ou... Je pense bien que c'est de monnaie, mais je ne suis pas sûr de moi. Regardez. Ah non. Ben, regardez, la preuve. C'est rond comme ça devant. J'ai attendu. Non, c'est une simple vis de tracteur, mais ça sonnait fort. Ça sonnait vraiment fort. Ici, 75 à la DS une fois qu'elle est sortie. Dommage. Bon, après le petit direct raté, je suis toujours sur les bords. Il y a pas mal de crasse, pas mal de morceaux de canettes et tout. Mais on reste patient. Des fois, on est récompensé. On fait de la dépollution en même temps. Ici, j'ai un son à 83. Très, très fort, autant que la vis. Et là, ça, c'est une monnaie. Ça, c'est une monnaie, et avoir le son comme... Ouais, avoir le son, c'est une Léopold. Donc voilà, à peu près 1900. Hein. Mais les monnaies Léopold en Belgique sonnent très, 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 très fort. Donc voilà, c'est aussi pas comme une monnaie en argent. Donc voilà, quand on a des indices comme ça et qu'on sort une monnaie, la plupart du temps, ce sont des Léopold. Alors, elles sont pratiquement dans le même trou. Voilà pourquoi on repasse quand on rebouche et tout ça, on repasse quand même une fois le disque. Donc là, c'était 83 monnaie Léopold. Et pratiquement dans le même trou, juste à côté, j'avais un son à 65. Et dommage, c'est encore une vis avec une barre. Mais c'est les sons à creuser. Bah ici, un son à 83, mes meilleurs sons de la journée aussi. Je pensais à avoir peut-être une monnaie en argent ou une énorme canette. Et surpris, c'est un tout petit module. Voilà. Qui a encore, à mon avis, un Léopold, une Léopold. Donc, à voir au nettoyage, mais je pense voir la calligraphie de Léopold. Et bah voilà, ça fait déjà quelques petites trouvailles et quelques petites monnaies ici. On a pas mal de terrain à faire, on a un terrain à côté. Donc voilà, je pense que ça va être une belle sortie. Alors, je fais pas mal de crasse depuis tout à l'heure, donc j'essaye de faire un peu vraiment tous les sons, même ceux qui ont un peu de ferreux et tout ça. Alors, chose ici, son à 40, il indiquait une bonne scie, mais du ferreux aussi. Et regardez, c'est un bouton, mais en fer, parce qu'on voit la tache derrière, on voit comme du cuivre ou du bronze, et devant c'est rouillé, et il y a l'air d'avoir des détails et tout ça. Donc, c'est génial, je vous prendrai une photo nettoyée pour voir les détails. Et je continue dans ce chantier, on verra bien. À côté, c'est un peu trop haut, donc je ne sais pas si on va aller. Mais c'est le genre de trouvaille qui fait super plaisir. Juste à côté de mon bouton en fer que je vais reboucher, je contourne un peu avant de reboucher. J'ai un son ici à côté et c'est un bouton ou une décoration ou quoi. Ouais, c'est encore un bouton. Ou alors un clou de tapissier.
Ouais, c'est peut-être un clou de tapissier ici, donc les clous pour décorer les coffres, les meubles et tout ça. Donc deux petites trouvailles ici, ça passe sur la même zone. Je rebouche et je continue. Alors j'ai fait un superbe objet, un des plus beaux objets de ma journée, mais je ne sais pas ce que c'est. J'avais un faisceau à 70. J'ai été chercher quand même à 20 cm, c'était quand même assez profond. Et regardez, ça ressemble à une lune, comme ça il y a deux trous. Peut-être pendant deux harnais ou quoi, je ne sais pas, c'est du bronze on dirait. Donc c'est vraiment un superbe objet, bien travaillé et tout. Donc ça fait plaisir, j'espère que je vais réussir à l'identifier et on continue. Me voici sur la fin de la bande, je suis près de la voiture, j'aurais fait un plomb de sac et deux crasses sur toute une ligne, donc je n'ai pas fait de trouvaille à la fin. J'espère que le numéro vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, et je vous dis à la prochaine.